Bonjour également à YouTube. Bonjour YouTube pour cette VOD. Donc, on va tester la nouvelle map de Zera. Le nom c'est Raymontagne. Voilà, elle vient de sortir. On est sur le serveur 1, on va tenter ça. Ça peut laguer un petit peu. Nouvelle map, oui. Ah, voilà. Il y a deux maps, ouais. Mais je vais faire une vidéo séparée, je vais faire 10 minutes. 10 minutes celle-là. Et on va voir. Du coup, j'ai regardé vite fait le mapping cet après-midi. Voir ce que ça donnait sa map. Du coup, je la connais. Je la connais un minimum. Merci Osorlocked pour le subgift, c'est très gentil. Alors. Du coup, ça, j'ai vu quand il a try. Comme quoi, il faut passer la gear machin à 200. 32, je crois, 235, je sais plus. Tous WR. C'est pas possible de tous WR. Mais on va essayer de faire un bon temps. Je pense ici. Oh putain, je sais pas ce que j'ai pris. Je pensais wall it ici. Enfin, wall slide même. À voir comment la voiture réagit à ça. Là, il y a le jump là-bas. On a un point de repère qui est vraiment très obvious. Et là, le fameux cut qu'on peut prendre en passant par là. Un truc du genre. Hop. J'ai dél trop vite. Ah non, c'est bon. Ok, une 12. Je sais pas les temps qui vont être faits, on va voir. On va voir tout ça. Pile la speed ici. On passe la gear. Aïe, juste pas ici. Ah, c'est close. Salut YouTube. Savais-tu que pour distinguer un vrai diamant d'une contrefaçon, il suffit de souffler dessus et que le faux diamant va s'embuer, alors que le vrai va rester transparent? Tu peux maintenant briller en société. Briller comme le diamant, finalement. Merci beaucoup à 50 pour ce petit fun fact. Attendez, je vais quand même essayer un petit peu. Ah, c'est quand même vachement close. Peut-être si on s'en fout du jump, là. Oh, vraiment. C'est compliqué en vrai cette map là. J'ai pas vu de strat particulière. Il y a juste le wall slide que j'ai envie de try. Ok, à mon avis ça va être ça. Je pense qu'ils le font déjà d'ailleurs. Ok, un tout petit peu plus à droite. Pour le prochain try. Et du coup, la fin. Il avait testé et c'était pas forcément ultra lent de faire ça. Pas ultra lent. Après, là, j'essaye pas de. Je peux essayer de faire un run vraiment sans restart. Ouais, non, j'ai pris l'herbe, du coup. Du coup, c'est mort. Ah, c'est vraiment pas le plus opti. Juste là, histoire de découvrir. Hop. Là, je pense qu'il y aura moyen de faire un truc. Ouais, il y a le cut qui est faisable, mais il fait vraiment pas gagner beaucoup de temps.
Ah, ok, je vois. Tu peux vraiment pas le prendre de travers. Ah, c'est... Ça va être relou, ça. Ouais, tu peux, si tu prends bien au milieu de celui de gauche et tu vas vers la droite, ça peut se faire. Et ça, là... Je sais pas comment le prendre. Je préfère prendre le save, ça vaut pas la peine pour l'instant. Surtout qu'apparemment, tu gagnes vraiment peu. Deux cent quarante-sept, ça suffit pas. Et je vois même pas comment faire si t'as pas la speed. Et merci Dio. Merci beaucoup pour ton troisième mois. Ouais, j'avoue, ce jump, il faudra. On va trouver quelque chose. Après, j'ai fait 1,08, mais j'ai respawn plein de fois. Dur à passer ce truc-là. Je vais essayer de prendre Exter ici. Pour jumper bien haut, ça a l'air d'être plutôt vraiment worse. J'ai l'impression que l'HUD me fait un peu lag, du coup je le mets pas trop. Je lui mets combien là? Une seconde. Ouais, tu vois, je pense que je peux faire. Ah, safe ma fin. Il y a des trucs que je comprends vraiment pas. Hein. C'est pas grave. J'aimerais bien passer le début ici. Ouais, le plus safe sera de faire ça. Mais là, vraiment, ce jump là, tellement worse. Ah, dommage, je la récepte. Faut encore que je la bosse. Et que je la comprenne. Je pense comme ça. Ouais, faut juste faire ça. Ok. Bon, j'ai encore le temps de faire un bon temps. Tu as vu le code de fin? Oui, je le connais, mais il... à mon avis, il est pas worse. Enfin, il est worse de très très peu. Je sais pas, je vais faire un bon temps. Au moins pour en faire un. Oh non, la seule fois où j'ai envie que ça passe. Bon, pas grave. Oh, res. Ah, mais non, il skip. Bon, c'est pas grave. Sinon, je fais. J'améliorerai après en solo.
Mais ça tournera à sub une minute, je pense. C'est que le wall slide est juste après un CP rond, donc si tu te retournes, c'est mort. Bon allez, deuxième map, je fais une, en une vidéo, ce sera plus simple. Et celle-là, j'ai pas du tout vu le mapping, contrairement à la map d'avant. Celle-là, j'ai rien vu du tout. Et Surlocked, en fait, on n'a pas. J'ai fait trois fois le wall slide, donc je sais pas si il y aura des inputs précis à faire pour pas se retourner, c'est tout. Je sais pas où aller. Ok, à gauche. Ouais, non, mais je découvre. C'est gentil de vouloir me dire, mais. C'est comme toutes les autres maps, j'ai envie de découvrir. Ok, sympa ça. Ouais, il y a moyen d'opti entre les lampadaires, je pense. Ok, on doit avoir la speed pour jump là-bas. Et la fin en slow mo, non, c'est pas mal. J'aime bien celle-là. Oh, elle est vraiment cool. Et ça, je pense, si tu prends Exter et Full Speed, tu peux jump directement là-bas. Ah, elle est vraiment bien celle-là. Vraiment, vraiment cool. Et ouais, ça a l'air d'être WR. Bon, j'aurais bien aimé terminer mon run sur la map d'avant. Aussi. Mais celle-là est vraiment cool. Hein. T'as bien la place pour jump, tu peux bien gérer ton airtime. Là, les petits jumps, ça fait plaisir. Si tu raterris bien et que t'enchaînes bien, tu peux jump direct ici. Je vais essayer le. Ah, je sais pas si j'aurais dit. Ouais, y a moyen de faire ça. Ah bah Bren qui doit avoir fait le jump, je pense. Tu es plus WR. Ah, si il refait une rota, je suis ultra chaud. Ouais, je pense que je vais jouer ces deux maps. Un bon moment ce soir. Ok, donc
Transforme le poteau. Mais je vais juste revoir une fois parce que le turn se continue ou il y a un stop? Ok, le même turn se continue. Et ici, tu peux pas jumper autrement à cause du CP. Ok. Ah, j'ai mis un petit release inutile. C'est dur de stabiliser, je vais essayer de full speed. C'est quand même... merde. Je regardais combien j'étais devant. Une seconde de mon PB, je sais pas si je me rattrape. Ouais, je me suis auto-dépassé. Ok, mais j'ai bien de quoi améliorer, quoi. Je sais pas comment faire ici. C'est pas ouf ça. Ouais. J'ai tenté de full speed la fin. Ah, je vois rien en Camune. C'est un peu chiant à viser le début, j'avoue. Faudrait un repère avec le tremplin, je pense. Le manque de la glace. C'est con. Mais là, j'ai de la peine à savoir quel turn faut faire. Je pense que le WR sera sub 50. C'est trop tôt pour dire. J'en sais rien, j'ai même pas encore fait un bon temps. Je sais même pas comment on prend la way tout le grand tournant là. Je sais pas s'il faut le prendre exter, inter. Je l'ai pris inter, j'ai pas la spin. Donc je pense pas que c'est worth ça. Non, là ça va être nul. Après, j'ai plus de temps pour me stabiliser ici. C'est pas plus mal. Mais là, je sais pas. Pour emmagasiner de la speed, la logique me dit d'aller extérieur, mais... En vrai, j'en ai aucune idée. J'ai un dernier try. Mais dans tous les cas, me dites pas comment faire. Genre, j'ai vraiment envie d'apprendre en solo. Genre, d'étudier chaque trajectoire. Je préfère tellement ça que simplement on me dise ah oui, faut faire comme ça, faut faire comme ça. Parce que t'as vu quelqu'un d'autre le faire.
full friend quand tu prends Exter parce que tu perds presque 50 de speed. Je sais pas, mais là je suis pas du tout à l'aise sur la map, donc c'est normal que je perde beaucoup de temps. Et ces blocs là, c'est la première fois que je les vois et que je les roule, donc on verra. Je sais pas, je crois que c'est mon deuxième try 50k. Ah non, j'ai amélioré depuis. Archi roulante et archi cool, ouais. Ouais, il y a vraiment de quoi améliorer avec ce turn là. Je pense que tu peux ratterrir même dans la descente, partir à droite, ce serait plus worse. Non. Très bien. Meilleure map by far. Ah, meilleure map, je sais pas. J'aime bien la Reine des Neiges. Non, franchement, c'était cool, mais des bisous à YouTube. Hein. Merci d'avoir regardé cette découverte des deux premières maps. On va bien s'entraîner dessus et être chaud. Des bisous.